Bonsoir à tous, bonsoir pour notre, et bienvenue à notre rendez-vous quotidien. Donc, première chose, encore une fois, j'ai toujours mon truc qui bug, donc moi je ne vois rien du tout. Mais bon, il semblerait que ça marche, donc si vraiment un de vous voit un petit souci, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je vais essayer de regarder ça tout de suite. Mais bon, a priori, ça marche. Donc, je disais bienvenue à tout le monde. Ce soir, pour ceux qui ont regardé ma page Facebook, j'ai décidé de faire un petit retour dans les années 60. Alors, donc pour ça, à l'époque, ils faisaient des morceaux courts. Pas tous, mais pour la plupart. Donc, ce soir, il y aura 6 morceaux différents. On va dire, allez, il y en a 4 qui bougent, et puis 2 qui sont, à mon sens, les deux slows les plus marquants de cette période-là. Donc, je vous les dirai en temps voulu, mais vous pouvez peut-être déjà faire vos pronostics. Quels sont pour vous les deux slows les plus marquants des années 60? Alors, bon, malheureusement, il n'y a pas de français. Parce qu'en fait, je me suis essentiellement arrêté sur la période plutôt anglo-saxonne, mais je ferai peut-être un spécial années 60 français aussi. Voilà, donc de toute façon, on a le temps. Hein, donc voilà, petite annonce. Alors, par contre, je vais m'arrêter ce week-end, donc samedi et dimanche, pas de live, parce qu'il va falloir que je commence à retravailler un peu de chansons, parce que mine de rien, ben, ça en fait quand même par semaine. Donc je vais mettre à profit ces 2 jours pour essayer de travailler, chercher des nouvelles idées. Et voilà. Donc en ce qui nous concerne donc, pour ce soir, le premier morceau est un instrumental. Donc instrumental qui a été joué par un groupe qui s'appelle The Shadows et qui s'appelle Apache. Alors peut-être que ça ne vous dira rien comme ça, mais dès que vous allez l'entendre, vous direz « Ah mais oui, bien sûr !» Donc bah écoutez, c'est parti, je lance la musique et on est parti. Thank you.
Donc, qu'est-ce que je vous avais dit? Oui, vous connaissiez ce morceau. Voilà. Donc, je répète, ça s'appelle Apache des Shadows. Le prochain morceau. Oui, je vous ferai un petit topo sur un truc qui m'est arrivé, une mésaventure qui m'est arrivée hier soir, mais je vous ferai en fin de concert. Le prochain morceau, donc, est un morceau de Bob Dylan au départ. Qui a été repris par un groupe qui s'appelle The Birds, donc en version plus courte, hein, parce que Bob Dylan, sa version durait une plombe. Donc moi, c'est la version des Birds que j'ai décidé de reprendre et qui s'appelle Mr. Tambourine Man, et donc repris par notre Hugo Frey national sous le nom L'Homme Orchestre. Voilà. Donc, Mr. Tambourine Man, tout de suite. Juste le temps de me raccorder. Parce que c'est vrai que la reprise du Gaufret était magnifique. Alors, le prochain morceau est un morceau d'un groupe qui s'appelle The Mamas and the Papas, qui sont connus pour deux titres essentiellement d'ailleurs. Moi, c'est pour les fans de Forrest Gump. C'est un morceau qui a été repris dans la BO de Forrest Gump et qui s'appelle donc California Dreaming. J'adore ce morceau. Et ben voilà, en plus, je vais me faire plaisir. Donc, j'espère que ça va vous plaire aussi. Allez, à tout de suite.
Ce morceau. Mon Dieu, mon Dieu. Ah là là. Il va falloir que je boive un coup pour le prochain. Excusez-moi. J'ai un problème avec ma corde de scie. Une corde de scie récalcitrante. Alors, pour le prochain morceau, excusez-moi de ces coupures entre les morceaux, mais bon, comme chacun a ses réglages et machin, c'est pas facile. Donc, si je vous dis Johnny Hallyday, les portes du pénitencier, et non pas du pénitencier comme s'amusait à dire Renaud. Voilà, donc ben, Johnny a repris un morceau des Animals qui s'appelle The House of the Rising Sun. Et donc moi, c'est la version anglaise que je vais vous reprendre maintenant pour commencer à me péter la voix puisque ça monte très haut. Encore une fois, définitivement, tout le monde chante très haut. Allez, à tout de suite. Tiens, je vais sortir le délai de ma guitare. Voilà, ça va mieux.
got, I know I won't. Bon, j'espère que vous avez apprécié. J'adore ce morceau. Qu'est-ce qu'il a... C'est un truc de fou. Ce morceau, c'est un truc de fou. Voilà, donc, nous avons passé ce que vous avez annoncé comme la série qui bouge un peu. Qui bouge un peu, pardon. Donc, nous allons attaquer les fameux deux slows dont je vous parlais. Et voilà, donc. Le premier est un morceau de Procol Harum, et donc ça y est, vous avez trouvé, du coup, qui s'appelle White Shade of Pale, et qui est juste, je pense, un des plus beaux slows de l'histoire. Voilà, c'est juste magnifique. Et écoutez, on va se lancer là-dessus. À tout de suite. Peut-être boire un coup, excusez-moi, avant. Parce que là-dessus, là aussi, il grimpe le monsieur, hein. Il grimpe très très haut. Allez, c'est parti. Coast.
precious ghostly. Turn her whiter, shade of pale. Mais que c'est beau. J'espère que vous appréciez. Apparemment, oui, je vois plein de cœurs. C'est trop mignon. Merci beaucoup. Et donc, le dernier morceau est un morceau des Moody Blues et qui s'appelle « Nights in White Satin ». Alors là, pareil, je pense, c'est le slow par excellence, c'est un truc de fou. En plus, alors je vais vous faire écouter la version complète. Alors la version complète de l'album des Moody Blues, puisque pour un passage à la radio, ils avaient écourté, donc il n'y avait pas la fin, il n'y avait pas l'intro. Moi, je vais vous faire écouter le morceau en entier, voilà. Autant qu'on découvre des choses. Voilà, écoutez, c'est parti. Satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty always missed with his eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, but I love you. Yes, I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Thank you.
we seem right satin. Never really chin the end. The letters I've written never mean sand. Beauty I'll always miss. Always the size before. Just what the truth is, I can't say anymore. Cause I love you. Yes, I love you. C'était donc la version complète de cette chanson que je pense que beaucoup d'entre vous n'avaient jamais entendu de leur vie. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je me suis éclaté comme un petit fou parce que c'est des morceaux que je pense qu'on pourra écouter dans 1000 ans encore et qui sont juste magnifiques. Voilà, donc j'espère que, en tout cas, mon interprétation vous a plu. Donc oui, alors je voulais vous expliquer une petite mésaventure qui m'est arrivée hier soir. Sur Facebook, puisque j'ai reçu un message de notre ami Mark Zuckerberg, mais pas lui en direct, mais en gros, l'algorithme de Facebook, qui se base, je pense, sur un peu celui de Shazam, a reconnu que j'avais joué un morceau qui était sous droit d'auteur, donc en l'occurrence Bryan Adams. Et oui, alors oui, je joue des morceaux qui sont sous droit d'auteur. Alors légalement je n'ai pas le droit de faire ce que je fais, je pense, puisque je n'ai pas le droit de jouer en public des morceaux qui ne m'appartiennent pas, à moins de le déclarer à la SACEM et donc de payer des droits d'auteur à ces gens-là. Alors vous imaginez bien que je suis plutôt sensible au sujet, que j'ai pas envie de léser mes collègues musiciens qui ont écrit ces belles chansons que je reprends et sans qui je ben écoute, je pourrais pas faire ce que je fais là, mais quand même je les ai envoyés se faire voir à Facebook en leur disant que oui, ben, que j'avais le droit d'utiliser. Donc si jamais ces messieurs de la SACEM me tombent dessus, ce qui risque peut-être d'arriver, donc d'abord je vais essayer de leur expliquer que dans la période actuelle, je pense qu'il y en a autre chose à faire que faire chier les gens là-dessus. Bon, ça c'est un autre débat. Donc je vais essayer de parlementer en leur disant que je fais rien de mal, au contraire, hein, j'apporte un peu de réconfort aux gens en les faisant écouter des morceaux. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont super contents de ces lives, donc bon, je vais essayer de leur expliquer gentiment, et puis s'ils ne veulent pas comprendre, eh bien, je vais arrêter, parce qu'on ne gagne pas de contrôle à sa scène. Voilà. Donc après je peux leur demander s'il y a un forfait à payer pour le truc en période de confinement, ou s'il y a quelque chose de tarif réduit, je veux bien. Le problème, c'est que je suis incapable de leur annoncer combien de morceaux je vais faire, parce que je n'en ai aucune idée.
Et voilà, donc bon, c'est un peu dommage, je trouve. Bon, après, attention, hein, Facebook est une machine, c'est un algorithme qui m'a reconnu, donc ça se trouve, ça n'ira pas plus loin, mais enfin bon, si l'algorithme fait remonter que j'ai dit oui, ça m'appartient, et que M. Bryan Adams, il n'est pas content, j'essaierai de m'expliquer avec M. Bryan Adams, voilà, en lui disant qu'on est tous confinés, et puis qu'il faut quand même, voilà, pendant une période, on peut lâcher la grappe aux gens, voilà. Bon, en tout cas, écoutez, voilà, merci beaucoup, merci de m'avoir suivi. J'ai vu beaucoup, beaucoup de monde connecté encore ce soir. C'est génial, je sais que j'ai énormément de vues sur les vidéos qui sont en replay derrière, donc ça me touche énormément, merci à vous. Et ben, toujours pareil, restez chez vous, protégez-vous de ce saloperie de virus, confinez-vous, parce que plus on se confinera, et moins ça durera longtemps, voilà. Donc, ben, demain soir encore, puisqu'il me reste une soirée à faire avec vous avant de changer de semaine. Voilà. Prenez bien soin de vous à tous et ciao, ciao.